les pleurs de Mbolé. On peut pleurer comme ça, Adama. On peut pleurer les pleurs de Mbolé. Hein? Moi, je ne suis pas là. Oh. Donc, après, maintenant, on va aller sur les femmes. Moi, j'ai dit que cette page, c'est une nouvelle page. On ne clash plus les gens ici. On parle, on cause. Les gens qui veulent monter, on peut monter, on dialogue, on rigole, on partage, on s'éclate. C'est ça. On discute comme les adultes vaccinés. On n'est pas là pour s'intéresser de la vie de quelqu'un. Non. Aujourd'hui, j'ai amené un sujet. Un sujet pour dire que aux femmes, que arrêtez de fouiller les téléphones de vos maris. Parce que les maris, ils connaissent déjà et la jalousie n'est pas bon. Quand une femme ou bien un homme est jaloux, c'est pas bon. Oui, Liliane, interdit de pleurer. On ne pleure pas. Sur Facebook, là, on ne pleure pas. Oui, oui, oui. On ne pleure pas. Sur Meta, on ne pleure pas. Vos pleurs de Mbolé, là, il faut aller loin avec. On ne pleure pas. Ici, là, on ne pleure pas. Nous, on est solide. Nous, on est fair play. J'ai dit, on est fair play. Moi, j'ai quelqu'un même qui m'a insulté. Je peux prendre dans mon direct. La paix, vous me connaissez. Moi, je suis fair play. Je suis fair play. La personne m'insulte. Je prends dans mon direct. J'écoute ce que tu as dit. On finit de parler propre. Et on passe. Landry, tu dis que non, Nancy, quand on aime, on ne jalouse pas. J'ai pas compris dans quel sens. Hein? Est-ce que c'est toujours sur mon sujet? Parce que moi, je disais tantôt que quand vous aimez votre mari, il ne faut pas faire la jalousie. Tu peux, là, c'est même pas la peine. Je vous dis par rapport à mon expérience, vous ne pouvez pas jalouser, vous ne pouvez pas être jalouse d'un homme. Si tu aimes cet homme-là, si tu es amoureux de cet homme, pourquoi être jalouse? Pourquoi aller fouiller son téléphone? Fais-lui confiance. Et c'est comme ça que ton mariage ou bien ton compagnon restera auprès de toi. Parce que tu lui fais confiance. À partir du moment qu'il te respecte, à partir du moment qu'il ne te manque pas de respect, à partir du moment, tu peux, voilà. C'est ça. Non, il ne faut pas que les gens confondent, Landry. Il ne faut pas que les gens confondent. Quand une femme est amoureuse et quand une femme est jalouse, tu ne peux pas avoir les deux. Amoureuse et jalouse. Parfois, il y a la jalousie maladive. La jalousie maladive dans laquelle où tu fais seulement, ça veut dire que même si je vois les femmes, même si c'est une collègue de service, la femme est jalouse. La femme est jalouse. Alors que avant même, C'est pour ça que moi, quand mon mari travaille, tout le monde de son lieu de service sait que voilà sa femme. Comme ça, il éclaircit. Je suis partie vendredi, quand je suis arrivée, il m'a présenté à tous ses collègues jusqu'à son patron. Tout le monde était là. Tout le monde m'attendait pour voir dire que hey, le monsieur-ci, c'est qui sa femme. Quand je suis arrivée, tout le monde a dit que oui, je comprends pourquoi tu dis que tu ne sors pas. C'est là que j'ai appris que mon mari ne sort pas. Alors que moi, il lui a dit que parfois, il faut sortir. Ce n'est pas parce qu'on est marié. Si tu vois où on fait le... comment on appelle ça? Hein? Où c'est les ganguettes, c'est les choses qu'on fait en campagne. On met la musique, les vieux dansent, on fait... Si tu vois où c'est à côté, vas-y. Hein?
Du moment que mes choses sont en place, du moment que tu ne m'amènes pas les maladies, du moment que tu te protèges, maman, ce qui se passe dehors, ça reste dehors. Ce qui se passe chez moi, ça reste chez moi. Tant que tu ne m'amènes pas la maladie, il n'y a pas de problème. Donc, il y a les femmes qui ont cette jalousie maladive. Cette jalousie, ils sont possessifs. On n'appelle même pas ça jalousie. On appelle ça être possessif. Tu veux que ton homme que pour toi. Mais l'homme, même si tu es amené à la mairie, l'homme n'est pas acquis. Il y a les hommes à nos jours, si je vous ai dit, il fut une époque où l'homme pouvait, c'est-à-dire avant de te mettre à la porte, il te fait d'abord le mouroli correctement et bien. Comme ça, le lendemain, c'est-à-dire qu'il te fait le mouroli, vous riez comme ça là. Le lendemain, c'est la porte. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé maintenant là, mais bon. Quand tu sors avec un homme, arrêtez d'aller fouiller le téléphone avec un homme. Un vrai couple, c'est d'avoir confiance à ton mari. Tu as confiance en ton mari a confiance en toi. C'est-à-dire que quand même vous partez fouiller le téléphone, c'est pour chercher les problèmes, c'est pour vous faire mal. On se connaît, nous les femmes. Quand tu vas fouiller le téléphone de ton mari, tu vas aller trouver quelque chose là-bas. Hein? Et quand tu trouves, tu ne dors plus. Toute la nuit, ta tête est en train de danser le makossa au lieu que tu dors ton sommeil bien, que tu prends tes 8 heures de sommeil, mais ta tête est en train de tourner en bourrique parce que tu es parti voir là-bas. Moi, depuis que je connais mon mari, jamais j'ai fouillé au téléphone. Je dis jamais parce que je suis sûr de moi. J'ai confiance en moi, je sais ce que je vois, je sais à quel degré. Parce que moi-même, j'ai le charisme. Parce que pour qu'une femme vienne faire le cas, elle vient vraiment prendre ma place, là, hey, il faut que cette femme-là fasse le triple, le quadruple de ce que je fais. Le quadruple. Et quand on voit les gens sur les réseaux sociaux, tu veux dire à une femme que ton mari a mission. Hein? Toi, la femme, le week-end, tu dois aller tondre la pelouse, le gazon. Tu dois aller faire l'entretien. Tu dois t'occuper des chambres d'hôtes. Tu dois arranger les choses. Tu dois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans son couple. C'est-à-dire qu'à l'époque là, à l'heure là, tu es l'homme, tu es la femme. Là. Parce qu'il faut résoudre. Oui, la tête cogite. Parce que tu es parti trouver quelque chose. Qu'il ne fallait pas voir. Alors que si tu ne fouillais pas le téléphone de ton mari, maman, tu crois que tu allais dormir, tu dors tranquille, il te regarde comme ça, dit que hey, mes gens, mes soeurs, mais j'ai dit que quand l'homme sort de chez toi, ce n'est plus ton homme. Quand il est à côté de toi, là, c'est ton homme. Quand il sort de chez toi, mettez ça en tête, maman, vous allez rester bien dans votre tête. C'est-à-dire que vous allez trouver la paix intérieure. Quand il part, dit que, oh, maman, il dit, c'est ça, c'est pour me marier. Tant que tu l'attrapes à la main dans le sac comme ça, ma soeur, pardon, faut laisser. Ne pas chercher la bête. Ne pas comment on appelle ça? Chercher le mal de cœur. Alors que tu étais tranquille dans ton coin. Rien que parce que les gens vous disent que, oh, il faut absolument fouiller le téléphone d'un homme. Aïe! C'est vivre et ça, que ce soit un homme ou une femme. Vous ne devez pas fuir le téléphone de la femme. Non. Vous ne devez pas fuir. Si même on dit que les gens, si on remettait un peu les choses dans le contexte, si maintenant on dit même que on doit fuir le téléphone des gens, c'est le téléphone de la femme qu'on doit fuir. Demandez-moi pourquoi. Parce que nous là, on nous drague partout et c'est comme ça qu'on prend le numéro de téléphone. Quand on prend le numéro de téléphone, tu enregistres sur ton téléphone. Mais parfois nous les femmes là, on n'est pas intelligent. On va mettre le nom de monsieur. Et tu mets le nom de ce monsieur là. Quand ton mari tombe sur ton téléphone, il va te demander que c'est qui. Après, tu commences à manger la bouche. Tu commences à dire, oh, c'est un collègue du travail. Mais n'oubliez pas, il y a certains hommes qui débarquent au boulot. Hein.
Quand il demande, il dit que, ouais, même le monsieur que tu m'avais dit là. Ou bien, tu lui présentes à tes collègues. Après, il dit, qui est Joseph parmi vous? Parce que le nom là, c'est resté dans sa tête. Et tu lui as dit que le nom, le numéro qu'il a vu sur ton téléphone, c'est ton collègue qui s'appelle Joseph. Parce qu'il y a les gens comme ça. C'est vice versa. Ça veut dire que ça soit chez la femme ou bien chez l'homme, ça ne sert à rien. C'est inutile. Je dis bien, c'est inutile. C'est inutile. Pourquoi je dis c'est inutile? Parce que si toi, tu as ton sommeil là, c'est plus important. Ta santé, c'est plus important. Donc, c'est inutile d'entrer, aller fouiller le téléphone de ta femme ou bien le téléphone de ton mari. C'est inutile. Tant que ta femme, il faut seulement savoir que quand l'homme va goûter dehors, il n'a pas le même comportement à la maison. Hein. Il change. Il change. Demandez-moi pourquoi. Parce que quand toi, à la maison, peut-être tu avais un mari qui se négligeait, il ne se mettait pas dans son 30. Hein. Mais quand il va aller goûter dehors, parce que la femme qui est dehors, elle va lui dire que, gars, si tu veux te mettre avec moi, il faut être présentable. C'est quoi ces habits-là? C'est quoi les habits à dos caflé que tu as là? Il faut quand même être présentable. C'est là que tu vas voir que ton mari commence à acheter les vêtements. Oui. C'est là que tu vas voir que ton mari commence à acheter les vêtements. À trouver le style, le style style. C'est le plus par rapport à son âge. À trouver les trucs des yoyettes, à vouloir s'habiller, genre, façon, façon là. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a mis le riz sur ma mon mon quand vous mettez le riz sur mon truc qui est écrit en anglais, je veux bloquer la personne. Oui. Parce que quand vous mettez, on dit en anglais, on dit que soutenez Nancy avec les étoiles, blablabla, blablabla, et quelqu'un vient mettre en gros riz là. Vous croyez que je vis de ça? Vous n'avez pas vu comment, avant de venir m'asseoir ici, Nancy a préparé? Allez regarder dans mon statut. Allez regarder dans mon réel. J'ai préparé. Maman, vous croyez qu'elle est morte de faim? Ouais! Aujourd'hui, là, j'ai claqué 1500 euros. Mon mari a claqué 1000 euros. J'ai claqué 1500. C'est vous qui m'avez donné. Vous croyez que si vous n'envoyez pas les étoiles, vous croyez qu'il ne va pas vivre. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes aigri, hein? Vous êtes vraiment aigri. Vous n'êtes pas bien dans vos têtes, là. Vous n'êtes pas bien dans vos têtes. J'ai claqué aujourd'hui 1500 balles. Tu crois que si je comptais sur les étoiles, j'allais sortir 1500 euros aujourd'hui, là? Et mon mari, et encore, mon mari a fait un virement de 1000 euros pour ma voiture. 1000 balles. C'est ça qu'on appelle un homme passe sa femme en priorité. L'homme qui passe sa femme en priorité. Vous ne connaissez pas ça. Quand on vient, on amène un sujet qu'on ne veut plus entrer dans les clashs. Vous voulez toujours tirer les gens dans les clashs. Je ne sais même pas comment. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Si quelqu'un, tu arrives sur ma page, ou bien c'est ma page arrive sur ta file d'actualité, tu ne veux pas voir mes statuts. Maman appuie le. Il y a une croix là. Appuie. Ça ne veut plus atterrir sur ton. Comment dire? Sur ton. Ta liste des gens que tu dois suivre. Quelqu'un dit que non, je ne suis plus dans les clashs. Moi, je vais amener mes sujets, je veux débattre, je veux m'amuser avec le peu de gens qui me rigolent. Mais vous venez toujours vous voulez me tirer. Je vous ai dit que c'est moi qui ai la télécommande. Quand je dis que stop, je dis stop. Quand je
je reviens encore. Je reviens en force. Mais là, je ne veux pas revenir parce que je vous ai tous bloqués. J'ai tout bloqué. Toute votre bande là, je vous ai tous bloqués. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne vous dire que c'est Nancy m'a bloqué. Moi-même là, j'ai tout bloqué. Toute la maman qui était venue parler sur mon direct. Allez, c'est pour vous faire comprendre que quand je veux passer à une autre phase, je n'ai même pas besoin que votre nom figure sur ma page. J'ai tout bloqué. J'ai banni. Ça veut dire que même si vous venez avoir un faux profil, vous ne pouvez pas commenter chez moi. Je vous ai tout bloqué. Nancy, quand Nancy dit que décide, je tourne la page, je tourne la page. C'est moi qui ai la télécommande, c'est pas vous, hein. Vous êtes derrière, vous faites les petits coups bas. Mais Nancy a dit, et je maintiens ça, j'entre plus dans les clashs. Le peu de personnes qui seraient avec moi, on fait notre truc. Si on veut parler de trucs, si quelqu'un veut entrer, a dit que je vais aller animer le direct de Nancy là-bas, la personne entre dans le direct, la personne anime. On s'amuse, on rigole et puis on passe à autre chose. Nous, on ne met pas les organes sur Meta, sur Facebook là, on ne met pas. On ne met pas. Donc, respectez un peu ma page. Respectez ma page. Et je veux passer un petit message en disant que les gens qui m'envoient les emails, pas les emails, les liens Messenger, mon frère, mon Messenger ne s'affiche pas. Il n'y a que mon mari qui voit mon Messenger. Et mon mari m'a dit qu'il m'a montré ce matin que tout le monde qui t'envoie ça, ne clique pas. Il ne faut pas cliquer. Ne clique pas. Tu vois, tu appuies seulement poubelle. Ne clique pas. Parce que là, les gens cherchent à prendre. Ça fait 3 fois déjà que vous envoyez. Vous envoyez 3 fois. Les messages à Docafé, les liens. Vous croyez qu'on est encore là? Je suis le gringo de ma page. Oh, j'ai dit qu'il y a l'homme derrière cette page. Il y a l'homme. J'ai dit qu'il y a l'homme derrière cette page. Il y a l'homme. Vous ne pouvez rien. Il y a l'homme. Et mon mari, que quand il... J'ai dit que cet homme-là, quand il met son énergie pour mettre son temps sur quelque chose, il est derrière, à bras ouverts. À bras ouverts. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui tiens la télécommande, c'est pas vous. Donc, mes chères soeurs, mes chers compatriotes, apprenons à nous respecter, à respecter nos hommes et à faire, à respecter nos hommes et à faire la part des choses. Parce que le fait seulement d'aller, le fait seulement d'aller, fouiller le téléphone de ton mari, c'est pas la peine. Un, déjà, c'est peine, tu veux dormir parce que tu veux toujours savoir ce qui se passe là-dedans. Tu veux savoir qui lui envoie le message, comment ça s'est fait, elle sort avec quelle copine, et c'est monté, c'est descendu. Oh maman, ma chère, ceci. Franchement. Merci pour les cœurs. Moi, je ne suis pas là-haut. Il ne suis pas là. Merci pour la personne qui a partagé. Je cherchais la vidéo. Aïe, déjà 1 heure. Partagez le direct, mes gens. Il y a des garçons. Il y a les garçons qui fouillent aussi, hein. Il y a les garçons, ma chérie. Il y a les garçons qui fouillent les téléphones de leur femme, Liliane.
Et il y a les garçons qui fouillent les téléphones de leurs femmes, qui fouillent même les sacs de leurs femmes, parce qu'ils se disent que, oh, je veux trouver une carte de visite, oh, je veux trouver ceci, oh, je veux trouver... C'est pas la peine, mes gens. Quand vous fouillez, ça vous empêche de dormir. Ça vous empêche de réfléchir. Ça vous empêche de vous concentrer sur quelque chose qui est important. Ça vous empêche. Ça vous empêche. Alors que rien que le fait, rien que le fait de ne pas aller fouiller le téléphone de quelqu'un, de ton compagnon ou bien de ta copine, mon frère, ma soeur, tu dors très bien. Tu digères le, comment on appelle ça? Tu digères le sommeil. Et au moins, tu ne veux pas passer ton temps à taper ton crâne parce que il faut que tu trouves ce que ton mari te cache ou bien ce que ta femme te cache. Le mieux, quand tu as les soupçons, avec, soit avec ta femme, soit avec ton mari, c'est le mieux que quand vous êtes en table, posez ton problème et vous discutez. En mangeant. Ou bien après avoir mangé, quand vous êtes déjà au niveau du dessert, qu'il a mangé la nourriture. Parfois, il y a d'autres hommes, quand tu lui commences à lui poser les questions, quand il est en train de manger, tout d'un coup, il laisse. Il ne veut plus manger. Donc, il faut toujours calculer. Quand vous mangez à table, calculez toujours à la période où les pleureuses de la tour. Bonjour. Soutien total, total, merci, partagé. Ouais, merci. Donc, il faut pas, n'allez pas fuir le porte-monnaie de votre compagne, ou bien de votre copain, ou bien de votre mari. C'est peine perdue. Ayez confiance en vous. Ayez cette confiance-là. Un homme n'est pas acquis. On n'a jamais surveillé un homme. On n'a jamais surveillé la femme. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une base. C'est comme quand tu vas construire une maison. Quand tu vas construire une maison, il faut d'abord la fondation. Il faut faire la fondation. Il faut voir d'abord si le terrain est viable. Si le terrain, tu peux construire sur ce terrain. C'est comme ça. Mais si c'est que ton mari dépose son téléphone, tu cours couña, couña, couña pour aller fouiller. Mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as plus le respect en toi. Tu ne sais plus ce que... Tu ne sais plus. Ça veut dire que tu n'as plus confiance. Tu brises la confiance qui était entre toi et ton mari. Ou bien entre toi et ta femme. Il y a les signes qui ne trompent pas. Les signes où, quand un homme ou bien une femme a changé de comportement ou bien de, il est parti dehors, ça ne change pas. Parce que dehors, là-bas, les djizas ont toujours cette habitude-là de dire au mari, à leur mari-là, qu'il faut vous changer. Il faut porter les habits soir, les habits de jeûne. Hein? Moi, il faut appeler. Parfois, même, il part t'acheter pour venir donner à l'homme. À la maison, là, tu vas voir. L'homme va commencer à dire que non, moi je ne veux plus cet habit-là. Non, moi je veux. Merci. Moi je veux tel machin. C'est comme ça. C'est pas si difficile de savoir quand l'homme te trompe ou bien quand la femme te trompe. La femme veut venir à la maison. Quand la femme t'a trompé, elle ne veut plus que tu touches, que son propre mari touche. Donc arrêtez, il faut déjà avoir, la confiance là, c'est la base, mes gens. La confiance en soi, travaillez d'abord. Et quand vous quittez dans vous séparez dans une première relation, ne soyez pas pressé de courir, d'aller entrer dans une deuxième relation si vous n'avez pas fait le travail sur vous. C'est-à-dire, quand tu finis une relation, admettons, tu étais marié avant, et là, maintenant, tu as divorcé. Et trois jours, quatre jours après, un homme te drague en route. Tu acceptes de commencer une relation alors que tu n'as pas fait le travail sur toi. Il faut savoir faire le travail sur toi. Ni pas pour que tu ne répètes pas
Tu ne répètes pas les mêmes erreurs que tu as faites dans ton mariage précédent. Ton mariage précédent doit t'amener, doit t'apporter, doit te servir de leçon. Comme ça, ton prochain mariage ou bien ton prochain compagnon, tu ne dois pas faire les mêmes erreurs. C'est ça, en couple. Le couple, ce n'est pas, il ne faut pas courir. Mieux vaut commencer à aller étudier l'homme, savoir comment il est, étudier ta femme, savoir ce qu'il n'aime pas. Parce qu'il faut savoir que tant que l'homme n'était pas mis la barre au doigt, il peut te donner ciel et terre. Il peut te construire les maisons. Il peut te promettre ciel et terre, comme les femmes aussi. Mais une fois qu'il t'a mis la barre au doigt, toi, tu changes. L'homme change. L'homme change. Au sens que, avant, il te donnait de l'argent, il te donnait ceci. Après, maintenant, une fois que tu es chez lui, il te dit, hey, j'étais doté. Madame, j'étais doté. Tu dois rester à la maison et travailler, machin. Oh, tu dois dire que stop, papa. Mesdames, on ne court plus derrière un homme. On court après l'argent. On court après et ne faites pas cette erreur-là. Que vous êtes avec un homme. Vous êtes avec un homme, l'homme te dit, tu as ton travail. Tu gagnes bien ta vie. Et l'homme te dit que abandonne, viens rester avec moi. Dieu dit que non. Faut dire non. Parce que une fois que tu as fait ça et que vous êtes dans la maison, même si tu gagnes plus que lui, même si tu gagnes à peu près qu'il te dépasse peut-être de 300 euros, il va te dire que non, ta maison là, quand tu vas venir à la maison, c'est ta maison, il y a le nom sur ton bail et tout. Quand tu vas arriver, les premières années, ça serait, tout serait rose. J'ai dit tout serait rose. Tout serait... tout serait rose. Tout serait machin. Mais après les un an là, c'est là que ça se commence à corser. Parce que si tu vas acheter ton habit, l'homme va te dire que hey, tu as encore les habits à la maison. Tu vas acheter une paire de chaussures, il dit que tu as encore les chaussures à la maison. Il faut d'abord finir de porter ça. Et plus il va te dire ça, et plus toi, tu veux te laisser aller. Tu veux te dire, oh, j'ai déjà trouvé mon homme. Pourquoi je veux prendre soin de moi? Arrêtez les femmes. Arrêtez de faire cette erreur-là. On séduit l'homme tous les jours que Dieu a créé. J'ai dit bien tous les jours. Qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit comment, peu importe son statut, tu dois séduire ton homme. Et l'homme doit séduire sa femme tous les jours. Faites d'abord le travail. Avant d'aller tomber sur les téléphones, c'est d'abord ce travail-là que vous devez faire. Parce que je vois les filles ici, quand ils arrivent, ils sont avec leur mari. Ils se laissent aller. Maman, la tête est là-bas, on dirait qu'on avait mis une prise électrique. Ah, maman, soit elle est là, et d'autres même payent. Ils payent pour avoir un homme. Ils payent. Mais finalement, l'homme te prend parce que tu dis, l'homme te, même tu finis de payer comme ça, tu ne vois même pas le planteur de l'homme. Donc, travaillez sur vous. Ayez d'abord confiance en vous. Et c'est cette confiance-là qui peut vous élever. Vivez pour vous, ne vivez pas pour un homme. C'est votre vie. Et si vous voulez faire le bon maillot avec un homme, il faut que toi, tu sois... comment on appelle ça? Toi, tu sois consentant et que l'homme soit consentant. Le couple où on force les gens là, ce n'est pas bon. Le couple où on force, c'est-à-dire qu'on te force à faire l'ongomayo là, c'est pas bon. Ça ne fait pas bon ménage. Ça ne fait pas bon ménage. Il faut que tu sois d'accord et ton homme soit d'accord. C'est là qu'il y a le goût. Donc, le fait d'aller fouiller les téléphones, travaillez d'abord sur vous-même. Travaillez d'abord sur vous-même. Ne courez pas seulement que, oh, je m'en vais fouiller le téléphone de l'homme. Alors que toi-même, tu as les mauvaises, comment on appelle ça? Caractères. Toi-même, ton caractère n'est pas bon.
tu te laisses aller, tu ne séduis pas ton homme. Lui, il est là, il a besoin, il part au travail, il revient le soir, il t'est parti au travail, t'as laissé en pyjama. Il revient le soir, tu es en pyjama. Il dit que wonderful. Et quand il revient le soir, il te dit que qu'est-ce qu'on mange? Tu dis que toi-même, la cuisine n'est pas là-bas. Et qu'est-ce que tu as fait alors de toute la journée? Quand vous travaillez tous les deux, ça se comprend. Mais la première personne qui rentre à la maison, tu dois commencer à préparer. Mais hey, vous les hommes, il faut aussi aider vos femmes. Il faut les aider. Ça veut dire que si tu trouves ta femme en train de préparer, elle était au travail, toi aussi tu étais au travail, mais elle est rentrée avant toi, elle a commencé à préparer. S'il te plaît, mets la main dans la pâte. Puisque tu mets la main dans la pâte, plus, comment on appelle ça? Vous allez préparer vite et vous allez être à table avant l'heure avant l'heure. Hein? Comme ça, la femme ne va pas se sentir marque de rose. C'est rose 237. Parce que les gens changent.